Vous allez me dire si c'est mieux. Ah, balayage, génial. Bon bah nickel. Par contre, ce qui est chiant, c'est que je vois que c'est limite parce que. En fait, là, je suis en train de compresser. Pas avec ma carte graphique, mais avec mon CPU. Et du coup, quand c'est avec le CPU, ça galère, mais c'est. Ça me pète les rouleaux, vraiment. Moi, je suis en very fast. Hein. Mais ouais, c'est le jeu qui pompe masse de. De CPU et ah putain c'est mal foutu. C'est ça que j'ai des drops des fois pour aucune raison, c'est le jeu en fait. Mais c'est chiant que ça me fasse un décalage comme ça dès que je suis pas sur le CPU, dès que je suis pas sur le CPU quoi. Non, mais normalement ça fait pas. Je comprends rien. Ah merde, je me suis pas mis sur le deuxième, quel con. J'ai débloqué le truc, mais je l'ai pas mis. Parce qu'en fait, c'est vert sur mon indicateur pour le flux, voir si c'est bon. Et tu sais, ça passe vers le rouge quand il y a des drops et tout. Et en fait, là, ça fait vert, un vert un peu moins flashy, vert, un vert un peu moins flashy, c'est ultra relou. Et du coup, tu sais que ton stream, il est limite, quoi. Y'a pas un truc bonus XP ou un truc comme ça ? Oh! Ah, ça rapporte pas mal quand même. N'inquiétez pas, ça durera pas longtemps, c'est juste histoire de. D'avoir des matériaux un petit peu augmentés. Ah
surtout de gagner des niveaux en fait, parce que il y a du retard. J'aime pas quand il y a du retard. Ah, Météo Rain. Ça y est. Ça y est. Voilà. Ça, ça fait plaisir, ça. C'était surtout ça que je voulais en vrai. Ouais, bah oui, ils ont que 4 orifices, ouais. Non mais c'est pour ça là, c'est surtout pour les level up, si je veux faire les matériaux ce sera plus tard. Ouais. Ce qui serait bien aussi c'est une meilleure arme pour Yuffie. Parce que là c'est pas fou. On fait gagner un niveau à Jean... à Kalof. Attends, jusqu'à combien elle est légale? Bon, parfait, comme ça elle sera niveau 40, ce sera très bien. Et après, on va à Junon. Les conneries, ça va 2 minutes. Hein. Voilà. Et en plus on a récupéré de la thune, c'est parfait. Direction Junon. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ouah. Mais c'était pas là ça avant? J'avais zappé. Mais oui. Ah mais c'est quand les armes se sont réveillées, d'accord, ok, super. T'inquiète, Gadjo. Ouais, pourquoi pas, hein. Donc du coup, on doit aller à l'aéroport directement ou pas? C'est ça la vraie question. Mais putain! Bon, il rapporte quand même 2000 XP les mecs, donc ça va, c'est propre. Je me faisais des idées, mais ne manque-t-il pas quelque chose?
Ah oui, c'est... C'est là qu'il y avait les Turcs à un moment. Tac. Mais non, mais... Ah oui, la lance dragon propre. Il n'y a pas des armes avec ou des accessoires avec triple après, non? Il y en a deux dans tout le jeu. Ah, et c'est quoi du coup? C'est des armes ou c'est des... Aussi, j'ai des figurines de soldats, ça sert plus tard? Ah oui, on s'en fout, ça. Une pour Cloud et une pour Sid, ok. Apocalypse, c'est pas Ragnarok? Ok, réacteur sous-marin, c'est par là. Allons-y. What? Oh, c'est les vieux soldats tout pétés. Ah, c'est deux épées différentes, ok. Thank you.
Voilà. C'est parti! Waouh! C'est beau! On est sous l'eau! Incroyable! Ah, c'est bien ça. J'ai soin 3. Oh, propre. Ça va quand même, grâce à toutes les matérias qu'on a et tout, l'équipe elle gère. Puis bon, ils sont pas trop under level non plus, donc ça va. Wouit. Ouah, ça descend sous l'eau. Ça y est, on va avoir le sous-marin. Et une de mes musiques préférées du jeu. On se rapproche doucement de la fin du jeu quand même, hein. Yes. Vas-y Joseph, mets des patates. Allez Joseph, commence à mettre des vraies patates de forain. Et ça, ça fait plaisir. Un des boss les plus relous. Ne oh. Vous inquiétez pas, ça va le faire. On va s'en sortir. Soyez pas pessimiste. Ça me rappelle des souvenirs. Vous n'aurez pas cette méga matéria!
Ah, il y a deux. Ah, ça doit être couverture qui a dû monter dans. Ouh, bien, bientôt HP max augmenté. Ça marche comme ça. Genre, est-ce que quand elle va contre-attaquer, elle va absorber des HP? Non, dommage. Ah, c'est vraiment faut que ce soit une compétence. Wow, ok, d'accord. Non, mais c'est bon, Joseph. Calme-toi, calme-toi. Je sais que t'es un peu vénère. Il va falloir se contenir. Et jamais reproduit, reproduit. La méga matéria. À mon avis, c'est pas un jouet, les légales. Ils vont emporter un sous-marin. Vite, dépêchons-nous. On a réussi. Pas si grosse que ça les méga matéria au final. C'est genre un truc comme ça quoi. Qu'est-ce que tu fais? Aide à charger. Call of Duty? J'ai l'air d'une ouvrière peut-être? On arrive juste à temps. Qu'est-ce que tu choisis? Tu obéis à Rufus, tu nous le donnes gentiment. Malheureusement, je n'ai pas le temps de m'amuser avec vous. Oh! Roboto! Ma priorité, c'est la méga matéria. Allez, c'est parti!
Météo Rain! Ah, elle a pas absorbé. En fait, ouais, avec des compétences comme ça, ça marche pas. Faiblesse foudre. Ah, ils sont tous faibles à la foudre. Hein. Ah bah ça y est, j'ai monté Exil. Parfait ça. Bon. Et tu lâches elle est légale tout de suite. Vilain. Ah putain.
Allez, allez. Yes! Muteki! Metal Gear? Ouais, en plus j'ai appris la deuxième limite de Joseph. Zut, le sous-marin! La méga materia! Nous devons le suivre! Ouais, c'est God End, non? Ouais, c'est God End ça. Merci pour le follow, Drake Blue. Et bienvenue sur le stream. J'ai pas fait gaffe, y'a rien là. Voilà. Et Fauchard, c'est quoi? C'est une arme pour... Ah oui, bah c'est une arme pour Michel. Ok. Ah, c'est l'arme triple de Cid. Super. Ah, multitâche de l'infini, clairement. Hein. Bon, faudra que je change les matériaux, par contre, parce que du coup, ça marche pas sans tir et absorption HP. Oh oui. Oui, 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 bonus HP. Mais non. Allez. Oh, génial. Génial, bravo. Ouais, elle fait un suplex. Elle fait un suplex. Les sous-marins, essayez de le prendre pour voir.
Vas-y, Joseph, tue beaucoup d'ennemis. Allez, cassez-vous! Eh, mais c'est moi qui vous ai appris ce truc-là! Il est claustrophobe. Nous avons volé un sous-marin, mais personne n'est en mesure de le piloter. Ah, ça bouge! Oh là là, quelle horreur! Calotti, fais quelque chose! D'accord, ça devrait aller mieux en conduisant. Rassurez-vous, je me charge de tout. Ah. Et c'est cette musique que je trouve cool. Le sous-marin Red Leader. Ah, ah le petit Ah putain. Allez, je vais pisser vite fait, j'arrive. Petite référence Red Leader, t'as vu? Allez, on remet son petit plaid et on est parti. Ouais. Alors, placer les sous-marins adverses en face de toi, lance une torpille quand la cible apparaît en rouge, faisant toutes tes attaques sur le sous-marin Red Leader. Si tu perds les ennemis de vue, appuie sur page bas pour te servir de sonar. Bon bah, on va tenter. Voilà.
C'est pas compliqué. Mission complete. À toutes les unités sous-marines Shinra, me recevez-vous? À toutes les unités sous-marines Shinra, me recevez-vous? Attends, Shinra. Ici Shinra numéro 2, rien à signaler. Bien reçu. Votre prochaine mission est de retourner au bassin du nom. Transporterons la méga matériel à partir de l'aéroport. Que ceux qui n'ont aucune mission reviennent pour monter la garde. Terminé. Et pourquoi on laisse la méga matériel pour l'instant? Mais non, moi je voulais y aller. Voilà. Donc le sous-marin, c'est fait. Maintenant, il faut se diriger vers l'aéroport. Allons-y. Moi, je sais pas trop. Du moins pas avec l'équipe que j'ai pour l'instant, en fait. Enfin, je parle pas des persos que j'ai, je parle de du niveau qu'ils ont, quoi. Vite! Et merde! Non, la méga matéria! Ne devait-on pas les suivre? Mais où vont-ils aller comme ça? Ça ne fait aucun doute, au village fusée. L'armée Maraude, on la fera peut-être si vous êtes sage. De toute façon, on a dit dans les quêtes annexes, faut qu'on fasse le truc de Zach. Parce que je vous rappelle qu'on a voté pour les quêtes annexes. Parce que les gens ont donné des beats. Action, le village fusé! Yahoo! Mais normalement avec le sous-marin on pourra y accéder. Je vous montrerai. Parce qu'il y a un petit truc rigolo. Merde, village fusé, c'est où? Midgar. On va escriter Lynn Garzan pour rigoler. Qui nous apprend une bêta. Bon gaga. Cosmo Canyon. Nibelheim. Voilà.
Ah oui, oui, bah j'irai chercher après. Bah, je suis histoire. Ils ont dit ouais, on laisse tomber la méga matérielle pour l'instant. Des terroristes! On a pas de terroristes, c'est vous les connards! Ah, du coup j'ai 4000 HP! Et elle est niveau combien ma matéria HP plus? Ils sont pas allés plus loin, tous à l'attaque! Je crains rien. Oula. Attends, Call of Duty! Tu veux virer ces putains de Shinra de ma fusée? Alors prends-moi avec toi! Ah ouais, d'accord. Thank you.
Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ah, bonus chance, ouais, ouais. Joseph qui fait des suplexes de qualité, ah bah toujours, toujours. C'est Joseph quand même. Elle fait ça bien, tu vois. Encore vous. La Shinra éliminera quiconque tentera de conquérir ses plans. Contrecarrer ses plans. Ouais, il est vénère, Rude. Ouais, ça va, à un moment tu t'arrêtes? Ah, ouais, ouais, bah oui, t'as tout compris, Kouran. Ça me fait bien chier. Ils nous ont eu. Mais au moins, j'aurais tenté, hein. Dommage pour lui. Sans les Turcs qui se font avoir comme ça. Et moi, je me laisserai pas passer.
Qu'est-ce que vous fichez là? Ah, je me disais bien que j'avais entendu bruit. Vous voilà, capitaine. Bah, ils sont pas morts, on les a juste battus, quoi, c'est tout. Écoutez, capitaine, nous allons lancer cette fusée. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Nous allons charger une bombe à matériel là-dedans et faire sauter le météore. Notre fusée va sauver la planète. C'est vraiment génial. Attendez une minute. La ferme! La ferme à la fin! Dans quel état est la fusée? Ça a l'air d'aller. Sauf que... Nous avons prévu de lui faire percuter météore en pilotage automatique, mais le dispositif le plus important est endommagé. Endommagé? Comment se passe la réparation? Chira s'en occupe. Formidable. Quelle bande de guignols vous êtes! Il va lui falloir 100 ans! Écoutez, je pars à bord. Alors laissez tomber le pilotage, le pilote automatique. Allez, maintenant partez et prévenez les autres. D'accord, capitaine, bonne chance! Ah, Pau 13, mais qu'est-ce que tu fais? La matière renferme des générations de sagesse et de connaissances. Ça nous en servir pour sauver la planète des griffes de Sephiroth. Il n'est pas question de laisser tomber la méga matière. Tu peux comprendre ça, non? Ouais, je comprends. Je sais que la matière est précieuse et je comprends ta réaction. Mais écoute, que ce soit la science ou la magie qui sauve cette planète, pour moi, c'est pareil. Je crois même que si j'avais le choix, je préférerais miser sur le pouvoir de la science. Les humains qui voyageaient autrefois au sol sont désormais capables de voler. Et pour finir, nous allons partir dans l'espace. La science est un pouvoir qui a été créé et développé par l'homme. C'est peut-être elle qui va sauver cette planète. J'ai réussi à gagner ma vie grâce à la science. Alors pour moi, il n'y a rien de plus grand. Maintenant, cesse donc de vouloir toujours t'opposer à la Shinra. Je ne veux pas regretter plus tard de n'avoir rien fait. Mais, Apollo 13! La ferme! Je veux rien entendre! Maintenant, j'ai du boulot. Si vous n'avez rien à faire là, je vous prie de dégager. Qu'est-ce qui se passe? Uhu! Palmer, qu'est-ce que t'as fichu, enfoiré? Ils ont dit qu'ils avaient fini de réparer le pilote automatique, alors j'ai lancé la fusée. Bon sang, Shira! Pourquoi t'as choisi ce jour pour être rapide? Bon sang, rien à faire, c'est complètement verrouillé! Et bientôt le décollage! Quoi? Pas de compte à rebours, c'est quoi ce délire? C'est parti! Décollage! Joseph. J'ai enfin atteint l'espace intersidéral. Bon, voyons voir. Quelle est notre trajectoire? M'en doutais, nous allons entrer en collision avec le météore. On ne peut rien faire? Ça continue, nous allons... Ah, ce satané Palmer a perdu la tête! A verrouillé le pilotage automatique. On n'arrivera sans doute pas à modifier la trajectoire. C'est la fin? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? T'es encore jeune et tu renonces si facilement? Je compte pas m'écraser contre le météore. Regarde. Je garde une capsule de secours sur la fusée pour les urgences comme celle-ci. J'ai déverrouillé la capsule de secours. Nous serons tirés d'affaire avant de nous écraser contre le météore. Et la méga matéria?
Prenez-la si ça vous chante. La matéria devait se trouver en haut de cette échelle, en face. Tu es sûr? Je sais pas. J'ai bien ce que j'ai dit il y a une minute. Et peut-être que tout ce que je voulais au final, c'était partir dans l'espace. Alors pourquoi ne faites-vous pas ce que vous jugez bon de faire? La voilà. Faut déverrouiller le système de sécurité en entrant un code sur ce moniteur. Hey, Call of Duty, tu sais t'en servir ou pas? Dès que tu entends entrer code, appuie sur OK, annuler, changer au menu. Tu tapes le bon code, ça déverrouillera et tu pourras prendre la méga matéria. Et quel est le code? Je sais pas, essaie de taper un code au hasard. Oh, on dirait que t'as pas entré le bon code. Trouve pas le bon code d'accès. L'activation du système de protection pourra dire adieu à Materia. Ah! Après, c'est touche PC, c'est pas la même chose. Hein. Le troisième code était annulé, ok? Ça me fait déjà chier. Ah putain. Ça grâce à moi, bien sûr. Bah quoi. Ouais, non, mais ça m'a saoulé. J'ai compris, le troisième, c'était annulé. Mais après, j'arrivais pas à savoir. Puis comme les touches, c'est pas les mêmes et tout, machin. Banco. Ouais, bah t'as mis du temps à te souvenir, le vieux, quand même. Ça fait quoi si t'as pas toutes les méga matérias? Oui, je sais, parle bien au vieux, ouais. Ah.
Ma jambe est prise sous, dans les débris. Je ne pourrai plus faire mes sauts de dragon. Apollo 13. Rien à faire. C'est trop lourd, je n'arrive pas à le soulever. Putain, mais t'es Joseph, tu devrais... Tu mets un pat, une patate dedans et c'est bon. Il reste dans les AOE. Oh putain. Ne vous inquiétez pas pour moi, dépêchez-vous. Montez, la fusée va s'écraser contre le météore. Je veux pas partir sans mes amis. Espèce, c'est pas le moment de s'occuper des autres. Je vais faire de mon mieux. Il demande pas de raise. T'es vraiment stupide, espèce de... Les avoirs numéro 8 a explosé. Alors, il fonctionnait vraiment mal. Shira, tu avais raison. Mais c'est la fin pour moi. Ne dis pas ça, Apollo 13. Hein, Shira? On dirait que j'arrive à temps. Je viens vous aider. Mais du coup, ouais, bah Mute Zero, tu obtiens comment? Pardon. La capsule de secours est par là, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, j'ai détaché la capsule de secours. Dis Shira, est-ce que cette crapule fonctionne vraiment? La capsule fonctionne vraiment? Ça va aller, je l'ai vérifié personnellement. Ça me rassure alors. Merci. D'accord, ok. Alors c'est ça, l'espace intersidéral? Bon sang. Je rêve pas, je suis vraiment dans l'espace. Bah Mute Zero, c'est celui qui ressemble à celui qu'il y a dans Unlimited. Oh putain! Le plan de refus, c'est les autres à échouer. Un vrai fiasco. J'espère tout de même que ça marcherait. C'est un vaisseau saillant. Faut dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour les gêner. Désormais, nous n'avons plus d'option de secours. Peut-être avant nous, Ito. C'est inquiétant, n'est-ce pas?
Il faut pas s'inquiéter, il faut réfléchir. Dites, cette fille a raison. Si on commence à se faire du mouron, on n'est pas sorti de l'auberge. Ça ne fera qu'empirer la situation. Tu veux vraiment preuve d'optimisme? Tu as quelque chose en tête? Eh bien, j'y réfléchis ces derniers temps. Je n'ai fait que réfléchir lorsque nous étions là-haut à regarder la planète. Réfléchissez encore quand nous flottions au bord de la nacelle sur l'océan. Moi aussi j'ai réfléchi. L'univers, la planète, l'océan. Combien tout est vaste et immense. Où que nous allions, quoi que nous fassions, ça n'y changera sans doute rien. T'as peut-être raison. Mais j'ai une autre opinion. J'ai toujours pensé que cette planète était immense. Mais en la regardant depuis l'espace, je me suis rendu compte à quel point elle était petite. Nous flottons dans l'obscurité. Ça donne un sentiment d'impuissance. En plus, Sephiroth l'habite et la maudit. Alors, je me suis dit que cette planète était comme un enfant. Un enfant fragile qui tremble au milieu de l'immense univers. Quelqu'un doit protéger cet enfant, cette planète. Vous comprenez? Ceux qui doivent la protéger, c'est nous. Apollo 13, c'est beau ce que tu dis. Et Apollo 13, je crois que je suis ému là. Mais alors, comment allons-nous protéger la planète de la menace du météore? Faut que j'y réfléchisse encore. Hein? Vous avez entendu? Le cri d'une étoile? Ou du météore? Bien celui de la planète? Qui nous dit qu'il s'agit d'un cri? Tu as oublié, Buggenhagen nous en a parlé. Buggenhagen. Allons voir grand-père. Allons au canyon Cosmo. Je suis sûr qu'il pourra nous aider. Mais non, mais... Non, je crois pas qu'il y ait de raison de dire en bas, mutant. D'ailleurs, ouais, le dernier Bahamut, celui avec un long pif et tout. Ouais. Celui qui a dans Unlimited, il y est, ouais.
Salut toi! Ah, le voilà. Voilà. Y a d'autres trucs intéressants, le Hadès, c'est où? Non, non, l'armée Moraude, ça ira. On s'en passera. Il y a double attaque aussi. Oh, c'est cette salle. Il y a une sorte de laboratoire vu qu'il y a un générateur Mako. Ah oui, du coup il y a X attaque. Oh, en lourd. On va essayer de choper ça. Mais non, putain. Attendez, je vais allumer un autre spot. Non! Ah merde!
Voilà. Ah, c'est à l'étage en dessous. Les monstres, ils sont horribles ici. C'est pas sérieux. Allez, allez. Ah, cool. Yes. Est-ce que talent de l'ennemi, on s'en fout pas un petit peu en vrai? Hein? Ça, c'est plus intéressant. On est d'accord. Voilà. Comment on les utilise pas, les talents de l'ennemi, donc... Ah, arrêtons de mettre des choses dont on ne se sert pas. Oui, c'est moi qui le dis. Bah non, je l'ai pas loupé, je viens de l'équiper. Je viens de l'équiper, gros, regarde. Double attaque multiple. Y'en a une autre?
Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Attendez. Attaque double et Hadès, c'est tout ce qu'il y a, hein. Ok. Allez, allez. Faut que je change les matériaux pour arrêter d'attaquer à l'électricité parce que... Attends. J'ai monté une matériaux niveau maître ? Je savais pas. Quand tu crées une matéria... Putain, je me souvenais tellement pas de ça. Quand tu crées une matéria au rang maître, ça t'en crée une deuxième. Je me souvenais pas du tout de ça. Putain, je m'en souvenais tellement pas de ça. C'est un truc de ouf. J'ai tellement oublié le jeu. Tu es juste obèse comme gros Ryu. Ah bah ça va. C'est pas... Si t'es juste un dragon obèse... Au moins t'es un dragon, tu vois. Ah la vache. Oh mais t'as moyen de guaquer le jeu. De ouf. T'as 40% HP. Hein. C'est fou. Hein. Oui, ça par contre je sais, c'est pour ça que je l'ai mise de côté. T'inquiète. Ça par contre je ne le sais que très bien.
Faudra qu'on refasse le plein d'objets aussi parce qu'on a plus grand chose. Hein. Ah, les Turcs. Encore. On n'arrête pas de se rencontrer ces derniers temps, on dirait. Il y avait à bord cet avion des armes et des matériaux spécialement conçus pour vaincre ces féroces. Mais une arme l'a attaqué et l'a coulé à jamais. Vous ne serez pas vous en emparer, c'est à nous d'éliminer ces féroces. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Vous ne nous gênerez plus. Météo Rain! Oh la violence! La violence intersidérale quoi. Joseph, elle est vénère. Ah, ça drop. Putain. Ah, je reviens.